Bonjour, monsieur. Je vous présente le docteur Amon, jeune de plus gros. Et je remercie la TV Arc-en-Ciel. Parce que c'est grâce à TV Arc-en-Ciel, aujourd'hui on est ici. Et tous ceux qui regardent l'émission, vraiment je remercie beaucoup à tous ceux qui regardent l'émission. Bon, aujourd'hui on vient, on parle des protections parce qu'on rentre dans la nouvelle année. La nouvelle année, quand on rentre dedans, on a fait très attention. Très attention. Parce que si tu vois que on parle de ça, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'accidents et il y a beaucoup de morts. Donc, quand tu te rives, tu te promènes, tu ne regardes pas derrière, tu ne regardes pas devant, tu es tombé dans le trou. Parce que docteur Amon, il est là, vous surveillez, il peut vous protéger. Quel que soit, si on ne t'a pas tué, tu arrives chez docteur Amon, il va vous protéger. Il y a retour à l'envoyé et il y a protection simple. Et retour à l'envoyé, je vous dis toujours, quand tu arrives chez docteur Amon, c'est toi-même qui mets le médicament de cannabis. Et la manière qu'ils vont te tuer, c'est comme ça. Quand tu mets le poulet, c'est comme ça. Le poulet meurt. Donc il n'y a pas à faire de digue. On va mettre ça derrière toi. Tu vas envoyer chez toi à la maison. Ou bien tu vas mettre derrière toi. Donc, quand tu arrives, c'est toi-même qui mets le médicament de cannabis. Et quand tu mets ça dans le canari, c'est toi qui parles dessus. C'est pas moi qui parle dessus. Donc c'est comme ça. Les protections, ça c'est protection, retour à l'envoyé. Et quand on finit de préparer, on te donne, tu dis, il faut aller à la maison. Il faut aller te laver pendant 7 jours. 7 jours pas avoir de rapport avec une femme. Quand tu finis, on prend les nécessaires, les pains avec le food, tout ce que tu as acheté, ça va mettre ça dans la tombe. Donc, c'est dans la vie, quand tu dis que tu es garçon, il faut être garçon. Quand tu dis que tu es femme, il faut être femme. Il ne faut pas te laisser comme ça, parce qu'il y a trop de sorcellerie. Et quand on est rentré dans la nouvelle année, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de blocages. Dans la nouvelle année, quand tu rentres en décembre, on peut dire que bon, où tu travailles là, tu vas avoir un avancement. Parce qu'il y en a, tu vas aller à la retraite. Il y en a aussi, tu n'es plus là. Donc, ceux qui n'ont plus là, ils vont te nommer. Mais si tu n'es pas protégé et tu n'es pas enlevé l'envoûtement qui est sur toi, comment tu peux faire pour aller devant? Tu te dis que bon, je suis allé à Abidjan, je suis en Europe, je suis aux États-Unis, donc moi je ne suis pas comme ça, je vais à l'église. Mais le blanc même qui a créé leur pays, ou bien ils sont là, ils sont pas blancs, ce qu'il y a derrière là, je n'oublie jamais. Il ne faut pas dire que tu es parti aux États-Unis ou bien tu es parti en France, donc tu es devenu blanc. Quand bois là, ça tombe dans l'eau là, ça ne change pas quasiment, ça ne va pas être poisson. Tu es parti jusqu'à tu vas revenir. Mais quel que soit ton cas, être français, tu es parti, tu es français, toi-même tu n'es pas français. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce qui est derrière nous. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui est derrière nous. Parce que si tu n'es pas oublié, la chasse là, ça avance. Ça avance beaucoup. Mais quand tu oublies là, et tu ne connais pas la personne qui agit, tu ne connais pas la personne qui dépasse ta main, tu ne fais jamais parce que tu as eu l'argent, tu risques d'abaisser. Si tu vois que souvent aussi, on est là, et puis la mort là, ça vient comme ça, on ne sait même pas où se quitter, souvent ça dépend aussi de notre comportement. Parce que quand tu gagnes un peu, tu n'as jamais vu million, quand tu as eu million, tu te dis que c'est fini. Même ton propre papa même, il ne parle pas avec lui. Une fois que tu as eu voiture, ton propre papa, tu ne parle pas avec lui. Donc tout ce que ta femme va te dire, c'est sûr, ça tu suis. Quand c'est comme ça, en tout cas c'est grave. C'est difficile pour toi-même. C'est difficile pour toi-même. Donc, je vous dis que on n'a qu'à regarder notre comportement aussi. Souvent, on a vu les sorciers, souvent c'est pas les sorcelleries. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ça dépend de notre comportement, c'est ça qui fait qu'on gagne la mort. Quand ta mère âgée, ton papa âgé, ils sont là. Tu dis non, quand tu vas à l'église, ton papa qui est là-bas, c'est lui qui a donc débloqué ta chance. Si toi-même tu n'es pas bloqué ta chance là, qui peut te bloquer? Quelqu'un t'a mis au monde, ta santé, ta maman, jusqu'à 9 mois, il y a plein de médicaments qui font du routage, ou bien l'avortement. Ou bien, quand tu as accouché, tu peux te laisser à quelque part pour dire qu'il est mort. Mais si tu as traité jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Si tu ne peux pas le nourrir, il ne faut pas lui dire que tu es sorcier. Il ne faut pas lui dire que tu es sorcier. Donc on regarde aussi dans notre comportement. C'est le comportement qui fait que souvent on n'avance pas. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas tout qui est médicament. Il y a des gens qui sont là, quand ils gagnent un peu,
il sait même pas, il ne connaît pas la grande soeur, il ne connaît pas le grand frère, il ne connaît pas papa, il ne connaît pas maman. Donc, quand tu connais tout ça là, maintenant ce qui va arriver, on sait que c'est le sorcier. Et quand tu ne connais pas, tu t'en vas confondre tout ensemble, en tant que c'est toi-même qui bloques ta chance. Donc, fin d'année là, quand on va rentrer dans la nouvelle année, quand tu connais tout ça là, tout ce qu'on va faire pour toi, en tout cas ça avance. Et je vous demande pardon, on n'a qu'à respecter des gens, on n'a qu'à respecter des gens. Tout ce que je suis en train, ce que je suis en train de dire ici, les gens vont dire que oh, lui là il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas aujourd'hui ni demain, tu vas trouver que ce que je suis en train de dire c'est vrai. Parce que quand tu vas avoir les problèmes là aussi, tu vas dire que ce que le monsieur a dit de toujours, en tout cas, il ne considère pas. Aujourd'hui, il a trouvé que ce qu'il a dit, c'est la raison. Donc, écoutez bien, parce que je vous dis toujours que quelqu'un qui est âgé plus que nous, on n'a pas à nous respecter. Et il ne faut pas oublier ce qui est aussi derrière toi. Quand tu adores l'eau, faut regarder. Quand tu essaies de consulter, tu sais où ta bonheur te trouve. Quand tu n'es pas consulté, tu n'es pas allé voir quelqu'un, tu ne veux pas savoir ce que tu fais et tu vas trouver la bonheur. Il y a des gens qui vendent cola, il y a des gens qui vendent maïs. Mais toi, tu travailles dans le bureau. Mais la personne qui vend cola là, tu vas trouver qu'il a construit. Et toi-même, tu n'es même pas simple bâti. Et puis tu dis c'est sorcier. Parce qu'il faut regarder ce qui va avec toi. C'est comme un habit. Pour dire que vous a porté ça, et puis moi, il faut forcément que je porte aussi. Ou même pas même pointu. Donc, dans la vie, là, il faut essayer de regarder autour de toi. Quand tu regardes autour de toi, tu veux savoir ce que tu vas faire. Tu veux savoir ce que tu vas faire. Donc, considérez aussi des gens qui font le médicament. On dit, c'est qui te suit là, tant qu'il n'est pas fatigué, toi tu cours là, fatigué, je suis fatigué. Parce que quand tu cherches là, il faut que tu vas trouver ce qui est bon. Je n'ai pas dit forcément. Venez vers moi. Mais quand tu n'oublies jamais ce qui est derrière toi, tu vas trouver ce qui est bon. C'est comme une femme. Quand tu prends un qui n'est pas bon, tu vas chercher l'autre. Jusqu'à te mettre, tu vas trouver ce qui est bien. Mais si tu n'es pas, tu dis, ouais, je suis fatigué. Comment tu vas trouver? Donc, on se tourne, on tourne. Quand tu vas tourner, tu vas tomber sur quelqu'un qui est bien. Donc, moi, je dis toujours, tous ceux qui vont venir vers moi, en tout cas, je n'ai pas dit que je suis bien. Mais il ne faut même pas qu'ils vont penser que demain, je vais abaisser ma tête devant des gens. Parce que je vais te dire la vérité. Ce que tu es venu faire là, on va faire. Si tu vas tourner à côté, je vais te dire que vraiment, je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut connaître. Dans la vie, là, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Mais prends place, c'est Dieu qui a créé. Dieu qui a créé. Donc quand tu vas aller à l'église, tu vas dire non, on ne prend pas place pour faire comme ça, on ne prend pas ça pour faire comme ça. Mais la personne, tu vas dire ça là-même, il prend place, c'est soyez. C'est pas tout, on adore. C'est pas tout, on adore. Donc je vais vous dire que, essayez de vous protéger. Faire retour à l'envoyeur, protection, parce qu'on rentre dans la nouvelle année. Mais quand tu fais la protection là, tu vas savoir que ce que le génie de plus couleur a dit, c'est vrai. Donc vous voyez les médicaments là. Ça c'est un médicament, exoculation précoce. Donc vous prenez une cuillère, une petite cuillère à café là, vous mettez dans yaourt, ou bien mettez dans café, et puis vous buvez. Deux fois dans la semaine. Donc voilà le médicament, ça qui est là. Ça c'est l'exculation précoce. Et puis ça aussi, ça c'est aller le tout. Ça c'est la faiblesse sexuelle. Donc quelqu'un qui a un problème de faiblesse sexuelle, et il prend le médicament là, le petit verre à thé, il prend ça. Deux fois dans la semaine ou bien une fois dans la semaine. Vous voyez les médicaments, c'est ça. C'est ça on appelle aller-retour. Et vous voyez les savons là. Les savons qui nettoient le toile. Ceux qui sont emboutés, ils prennent le savon et puis ils lavent pendant un mois et demi. Et tout ce qui est sur toi et ça va faire sortir. Vous voyez les savons. Donc quand tu payes, ils te montrent comment on utilise le savon. Vous voyez. Le quatrième médicament, ça, il y a des gens qui ont un pénis qui n'est pas long et qui n'est pas gros. Et il y a des gens aussi qui sont sains, qui n'est pas en forme. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de fesses. Donc,
On prend ça, on frotte dessus. Si c'est la pénis, et tu frottes dessus matin et soir, pardon, le soir au coucher. Et quand tu frottes, tu ne portes pas slip au coucher. Bon, si c'est au niveau des seins et vous frottez dessus, quand tu frottes dessus, tu couches, tu ne portes pas soutien. Et si c'est au niveau des fesses, vous frottez dessus le soir au coucher. Et quand tu frottes dessus, vous ne portez pas slip. Tu frottes dessus pour te coucher. Donc voilà le médicament. Ça fait comme les garçons et femmes. Donc, je vous présente tous les médicaments. Donc, voilà le médicament qu'on a présenté. Je laisse là, si quelqu'un qui a besoin de ça, et quand il appelle, si on fait ça, on va vous dire que voilà, on fait ça. Et tous ceux qui vont voir notre numéro, ils peuvent nous appeler, et puis ils peuvent voir ce qu'on fait. Sinon, je vous dis toujours, un bois qu'on a dans la journée, c'est là qu'on enlève les courses de la nuit. Donc, prenez le numéro. Et ça passe en bas de l'écran. Donc, si vous n'avez pas pris le numéro, le moment où vous allez savoir que le vipère vient, notre frère finit de manger. Et je vous remercie beaucoup.